Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 30e épisode, on se retrouve pile poil au même endroit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai cru que c'était des couteaux de lancer. Tu t'en sers depuis longtemps? Critique. De mon arc? On va faire un... Depuis toujours. T'es plutôt doué. Tu devrais voir Yara. Est-ce qu'on fait un concours? Fais ça. Hop! Fais voir toi si ça marche. Je rigole. Ah, on peut lui parler. Les gens sont parfois cruels. Ma mère disait pareil, au sujet des wolves. Oh, elle avait pas tort. J'ai peur pour elle. Pourquoi? Ils vont s'en prendre à elle à cause de moi. Je comprends, mon pauvre petit. Et moi, j'ai gâché un carreau. J'ai un peu les boules, je pensais qu'on devait faire un concours ou quelque chose comme ça. C'est relativement vide, hein. À une époque, dans The Last of Us premier du nom, on aurait trouvé pas mal de trucs. Des petites ressources, là, bien sympas. Fais voir. Est-ce qu'elle a peur? À quoi ça me sert de venir ici? Rien. Ok. C'est étrange. Pourquoi il nous laisserait à un endroit... J'ai pas été ici. Mais est-ce que je peux remonter après? Attendez, j'ai l'impression que c'est là la suite. Donc on va plutôt fouiller ici avant de sauter. Ouais. Voilà. On a ramassé pas mal de trucs là. J'ai tout pris. Ça m'a l'air bon. Il y a au bout d'un moment où je sens qu'elle va bloquer sur un obstacle parce que ce sera trop haut. Et que... Bah, faudra composer avec ça. Merde. Est-ce qu'on peut juste ouvrir la porte? Parce que là, on est vu. Ok. Si on pouvait ne pas se faire choper. C'est par là qu'on doit passer. Ah ouais. Bah comment on fait? Tu vois, si j'avais su, j'aurais lancé une bouteille pour les faire sortir et tout. On peut passer par au-dessus, là. Mais c'est risqué de ouf. Attends, il doit y avoir un passage. Ah, la fenêtre, là. Peut-être. C'est pas une fenêtre, ici? Ce truc-là. Ça va jamais passer. Ça m'embête, j'ai pas envie de gâcher une balle pour ça. Et puis en plus, avant on pouvait ouvrir. Ok, il va falloir s'organiser. Comment faire? Je sais pas moi. Et de 1, et de 2, et de 3. J'ai l'impression que toi il va en falloir plus. Voilà mon pote. Encore un. Hop. Allez hop, on n'en parle plus. C'était anecdotique ce combat, non? Vous ne trouvez pas? Ouais. Hey, n'empêche, j'ai bien géré, hein. Je m'attendais à pire. Pourquoi? Comme ça. Je sais pas. Ouais, comme ça, histoire de savoir. Par contre, ce qui... Ah, non, je pense pas qu'on irait chercher la mère de Lev. Est-ce que Yara est sa sœur? Tellement de questions, oh là là. En fait, ce que j'aime bien, c'est que dès que l'histoire commence à me réintéresser, je me pose des nouvelles questions et ça prouve justement que c'est stimulant. On n'a pas été touché une seule fois, on a mis des bonnes têtes en vrai. Hein. J'ai un peu tout gâché sur le claqueur. Mais en vrai, les claqueurs me font
un peu plus flippé que les Shamblers. Ah merde, j'aurais pu améliorer ma massue. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave, hein, maintenant que c'est fait. Par contre, comment tu tapes l'infiltration ici? Parce qu'on est d'accord, t'es obligé de péter la fenêtre dans tous les cas. Oh, beau ça. Vas-y. Toujours deux. Et bah, deux valent mieux qu'un que jamais tu n'auras. Ouais, c'est un nouveau proverbe. J'ai été écrivain de proverbes dans mon passé. Ici, on a des petits trucs. Non, même pas. On a pas une petite barre de chocolat là. Histoire de se remettre vraiment full life. Ah, le Inter Bay. Donc c'est quoi? C'est la baie intérieure. J'étais traducteur aussi. Traducteur et créateur de... Le courant est super fort par ici. Faut vraiment que tu fasses gaffe, d'accord? J'ai déjà fait ce... Ça se trouve c'est ça leur passage. Là il doit y avoir quelque chose à fouiller. Mais quelque chose me dit que la suite est là. On va voir où est-ce qu'ils se dirigent. Ok, la suite est là. Et ben nous, on va pas faire comme toi. On est mort. C'est rigolo cette scène. Je sais pas s'il faut sauter plus haut. Essayez de rester hors des rapides où ils vous emporteront. Et ouais. Non mais à mon avis on peut y aller. Y a pas de raison. Le courant est super fort par ici. Faut vraiment que tu fasses gaffe, d'accord? Attends. J'ai déjà fait ce genre de truc. Ça doit être possible. Genre je vais là, tac 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 tac, et je ramasse des trucs là-bas. Ah, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Attention! Reste pas dans le passage. T'imagines, on abîme notre allié rien qu'en faisant ça? Non, c'est pas cool. C'est pas cool du tout, ça. Ouais, même au niveau des carreaux, je suis pas bien. Hein. Va falloir... falloir les laver. Interbay Wireless. Ah, cool, on va pouvoir s'améliorer une stabilité. Stabilité de celui-ci... L'arbalète. Ah, les deux, je peux améliorer la stabilité. On va prendre celui-ci. Je l'aime vraiment bien, celui-là. Il me fait penser à un... Je sais pas, un gun de cowboy. Ah non, je l'ai déjà. Ah mince. Bon, bah alors celui-ci. À chaque fois, j'oublie que quand c'est... Il y a la clé, là, qu'on peut... Attends, je suis fou, quoi. Ah non, ok. Voilà, c'est ça que je cherche. Parce que je me suis dit, je l'avais vu tout à gauche, mais en fait, c'est pour améliorer la vitesse de tir. Un petit peu perdu, le gars. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours, ces épisodes un petit peu plus courts. Voilà, c'est des 30 minutes environ. Hein. On n'est pas non plus à la seconde près. On n'est pas... Ah ouais, c'est un magasin de téléphone. Ok. On n'est pas à la seconde près, comme je vous disais, mais bon. C'est plus facile pour moi, peut-être qu'un jour je vous ferai des épisodes plus longs, un jour qui sera pas fait comme un autre. Fais chier. C'est qui? Je sais pas. C'est pas un wolf? On est des milliers, je te signale. Tu les connais tous, les Scars? Arrête de nous appeler les Scars. Ouais. Des milliers, hein. Comme quand on a choisi la bonne faction quand on joue à billes. Hein. Après, peut-être que les... Séraphites sont tout aussi, voire plus nombreux. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces robinets là? Ils sont vraiment étranges aux États-Unis. En fait, c'est les promontoires à téléphone portable. Là, ils auraient pu me faire tomber. Hein. Ils auraient pu faire les bâtards, parce que j'ai pas couru. En fait, des fois, quand on court, elle part dans un sens assez étrange. Bon, là, clairement, il y a un fight. Non? Décidément, ce jeu me surprend. T'es sûr que c'est le bon chemin? Ouais, cet immeuble va nous conduire à celui qui est juste à côté. Ouais, ça paraît logique. Quand c'est toi qui le dis, j'ai l'impression que c'est logique, mais... Il est où? Attends, parce que j'ai pas tout fouillé, moi, alors... si tu pars d'un côté et que je le sais pas, qui nous dit que tu vas pas te faire attaquer?
Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un opticien? C'est un opticien qui vend des lunettes en même temps? Je comprends pas. Ils te font les examens, comme ça ils te vendent la paire de lunettes direct après. Kit de soins, des munitions ou des munitions? Y a pas de choix là, c'est pas de question à se poser. Des fois il fait un peu flipper quand il se tient comme ça. Avec son petit crâne qui pique là. Tu me dépasses pas, ok. Il me fait flipper à rester dans la pénombre comme ça. Hey, vous avez vu quand il escalade? Il fait pas les mêmes sons. Vu que c'est la voix anglaise, il a une voix plus grave. C'est très déstabilisant. Quelque chose me dit qu'on n'a pas grand chose. Hey, je t'ai vu toi. Mais à part ça, on a quand même une belle vue, hein. Une belle vue sur le vide. Et vu que ça met Abby dans le mal, on va peut-être éviter de traîner le long des fenêtres. Surtout avec notre lampe. Ah là, je sais plus parler. Voilà. Surtout avec notre lampe torche, ça risque d'attirer l'attention. Est-ce qu'on pouvait rentrer dans cette salle là? Tu vois ici là? Quelque chose me dit qu'on peut. Je suis incapable de faire ça, moi. Tu peux faire le tour, si tu préfères. Ouais, je préfère. Je peux? Eh mais si on le fait, est-ce qu'on a un trophée? Non, j'ai l'impression que juste on va se taper un petit game over là, ce sera pas très drôle. Ce sera pas hyper fun dans le sens littéral du fun. Ok. Et là on se fait doser. J'avais un cousin qui avait le vertige. Tant mieux pour lui. Et s'il dit qu'il l'avait, c'est qu'il l'a plus, hein. Par là. Où? Ah t'es là. Mais regardez, il fait flipper, non? T'es chelou, Lev, hein. T'es chelou, Lev. On dirait que je parle dans un autre langage. Ici on pouvait aller, je suis sûr. J'ai envie de vérifier parce que... Attends. J'ai l'impression que je vais rater encore un truc sinon. Bon bah écoutez, finalement après avoir vérifié, y a rien du tout. Hein. On peut pas passer. Peut-être qu'on y reviendra un jour. Peut-être jamais. Hein. Seul le destin et l'avenir nous le dira. Nous le dirons d'ailleurs. On y est. Ok. Ah, c'est ça. C'est étrange. Allez, on va encore monter longtemps. Pourquoi ma caméra elle se braque direct vers le bas? Ça veut dire oui. Oui. Ça me fait penser aux échafaudages qu'on voit en Asie. Vous savez, qui sont faits à base de bois ou de bambou. D'ailleurs, les séraphites me donnent l'impression d'être... Frimeur ! Inspiré de culture. C'est pas si dur que ça. Ouais, ouais. Ils parlent souvent les deux, hein. Ils me coupent la parole. Ok. Ça, c'est quoi ? Proxy... C'est des développeurs ici, si je comprends bien. Il n'y a pas de petits easter eggs. J'aurais cru. À diffuser les anciens convenus d'une trêve avec les deux, ils deviendront pas des séraphites en transit. Ah mais oui, vu que c'est une base séraphite, ils ont des trucs un petit peu vintage, comme on pourrait dire, hein. Qui pourtant appartiennent à l'ancien monde. Et du coup, ah t'es là. Par là. Bah dis-le moi avant que je te trouve, parce que sinon ça a pas de sens. Oh vache. Comment on a pu rater ça? Les wolves lèvent jamais les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez beau être nombreux et avoir plein d'armes, on trouve toujours le moyen de vous échapper. Tu devrais peut-être arrêter de dire « on ». Je te rappelle qu'ils essaient de te tuer. C'est vrai. Ils se sont séraphites dans la main. Le fidèle! Ah! Merde!
ils peuvent me contourner. Bien vu ça. Sauf que je t'entends, mon pote. Et un marteau, ça fait plus mal qu'une machette. C'est maître Li Tang qui me l'a appris. Voilà, vas-y. Quoi? Mais attends, qui m'a vu de genre en face? Hey! Vers la droite! Non, mais celui-là, je sais, t'inquiète, mon pote. Ah ouais, t'es là, toi. Et pourquoi je les entends toujours me contourner? C'est ça votre manie, là? Oh, j'adore cette arme. Elle est trop puissante. Regarde, on va lui faire une feinte. Ah, il est pas du pain. Je t'ai vu. Ah ouais? On se bat sur les tables maintenant. Écoute, si ça te va, moi ça me va. Tu vas bien? Ouais. Je vais t'aider. C'est bon. Bah vas-y, je vais t'aider, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il a? T'as entendu comment ils m'ont appelé? Ouais. Impie. C'est ça? Tu veux pas me poser de questions? Est-ce que tu veux que je te pose des questions? Non. Ok. Ouais, c'est ce côté un peu... grande sœur qu'elle a, Abby. Qui est très surprenant. Parce qu'ils nous l'ont vraiment présenté comme... comme la brututututu. Et au final, elle a un côté, je pense, qu'elle a hérité de son père. Le fameux Jerry. Elle a hérité de ce côté un peu humaniste. C'est pas pour me déplaire, bien au contraire, mais... C'est juste que... T'imagines s'ils réussissent, à nous réhabiliter Abby. Alors là... Là, ce sera vraiment un coup de maître. Hein. Parce que depuis le début du jeu, je suis en mode « Non, je l'aime pas !» Tu sais, comme les gamins quand ils font un caprice. Et s'ils arrivent vraiment à me la faire apprécier, je dis pas adorer non plus, mais... S'ils me la font apprécier, alors là, là, je mange mon chapeau. Mais littéralement, hein. J'ai une casquette, là, je vais la retrouver, vous inquiétez pas. Ok, on continue. J'ai plus de briques, il me semble. Ah si, j'en ai une. Si, c'est bon. J'en ai une. Ok. Normalement. Là, ça fait longtemps que j'ai pas ramassé une pièce de collection. J'ai dû en rater tellement. Un bon paquet, si tu veux, mon avis. Mais bon, si vraiment je veux me faire les trophées, je les ferai de mon côté. C'est les Scar qu'on construit ça? Les Séraphites. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt cool. Ça veut dire quoi, cool? C'est comme impressionnant. Génial, quoi. Protège-les. Je me demande si votre prophétesse savait ce qu'elle allait déclencher. Elle a sauvé des dizaines de personnes. Et personne ne peut expliquer comment elle a fait. Elle a explosé des camions et tué des soldats. La voilà ton explication. Est-ce que t'as lu ses écrits, au moins? Quelques-uns. T'apprendrais beaucoup de choses. C'est ça. Ah non, putain, j'ai repris le truc. Parce que j'ai vu le triangle, je me suis dit, c'est quelque chose de nouveau. C'est intéressant, hein, vous avez eu... J'avais prédit qu'elle va commencer à dire Séraphite... à l'usure, comme on dit. Plus Levi... Alors moi je suis dans SNK, là c'est un délire. Plus Lev va lui rappeler, plus elle fera attention à ce qu'elle dit et... Ça va devenir une Scar, t'imagines? Non, impossible. Il me propose ça mais j'ai rien ramassé depuis. Donc c'est cool, mais on va s'en passer. Pourquoi t'attends ici? Je crois que c'était un ascenseur le truc, je me suis dit bon bah les mecs ils ont inventé une nouvelle technologie là.
à la force de l'eau. Mais n'empêche, ce serait malin, hein, avec une sorte de... d'un moulin, bah littéralement un moulin à eau. Il pourrait se faire des petits trucs automatisés là. Ouais, cool. Bon bah on monte. On monte. Je passe devant cette fois. Toujours plus haut. Qu'est-ce qu'on va trouver là-haut? Ça me dirait qu'il va. Jusqu'où on va monter comme ça? Je ne vous l'ai jamais dit, mais je suis désolé pour votre fils. C'est un honneur. Il a rejoint notre prophétesse. Il est mort avec courage. Vous pouvez être fier de lui. Nous le sommes. Merci. Les anciens nous ont offert un nouvel enfant. C'est un grand honneur. Elisabeth leur est reconnaissante. Mais je ne pense pas qu'elle soit prête. Les anciens savent ce qu'ils font. Tout va bien se passer. Ouais. À droite. Bien sûr. Ah merde. Ah oui, ils viennent me chercher en fait. Ah c'est casse-bonbon ça. C'est tutti frutti. Ok. Ça c'est fait. On va essayer de rester un maximum de discretion, you know. En fait, j'étais captivé par ce qu'il disait parce que je me suis dit c'est peut-être un dialogue important. De ce côté, elle a une masse. Comment ça? Tu vois quelqu'un toi? Ah oui. Ah putain, mais en fait, c'est avec le brouillard. Je me rends pas compte. Il pourrait y avoir un mec devant moi là que je le verrais pas. Attends, ça escalade là. Par contre, son rayon du mode d'écoute, il est vraiment naze. Hein. Faudrait que je l'améliore parce que là. Ok. Ce que je vous propose, on va essayer de monter discrètement. Attends. Oui, c'est bon. Mon micro est bien allumé. J'ai été vu? Ah non, ils ont dû repérer le... Faut inspecter ce toit. Quelqu'un a réussi à passer. Ouais, le corps de leur pote. J'entends des mecs qui escaladent à gauche, à droite, c'est assez délirant. Encore un tir. Putain. C'était trop tendu. En fait, j'aurais pu tenter de tirer dans la précipitation, mais ça aurait pas été bon. On va les attirer par là. Attention, à ta droite. Il va pas sauter par là, lui. Ah, ils ont des têtes un peu partout, c'est assez chaud. Remarque, avec leur crâne, on les repère assez bien. Je suis plus dans l'herbe haute, là. Elle bouge trop vite. Merde. T'as entendu? Il nous cherche. Faut qu'on se tienne prêt. Merci. Ah bah, je me doute qu'il me cherche, mais... Ok. Une de plus. Une de moins, comme on dit. Merde. Oh non, j'ai plus de balles. Oh shit. Comment on va faire? J'ai plus rien de discret là. Il va falloir qu'on se la joue. Putain, mais comment tu veux que je fasse discret? J'ai plus rien du tout. Faudrait que lui il ait des trucs. Non mais là on est mort.
Oh là là, j'entendais partout dans mes oreilles. Et ouais, et puis il y a l'autre qui revient du coup. Bah écoutez, moi je vais rester ici. Le temps que je trouve un plan. Ah non, mais c'est trop chaud. Ah, elle, ça m'arrangerait qu'elle vienne. Comme ça, on se la fait discrètement. Eva! Non, fidèle! Avec une roche! Au-dessus de toi! Quoi? Où? Allez, fonce! Et c'est là que j'aurais dû prendre ma bouteille. Ah là là! C'est mal joué de ma part. Garde-toi. Boum! Ça t'impressionne, hein? À notre gauche! J'ai vu un fusil! Merde. Ça, c'est nul. Boum! En haut? C'est où? Je comprends rien. Arrêtez! Ah, juste là. J'ai presque plus rien. Deux balles. Ça peut le faire. C'est pas impossible, mais ça va être tendu. Ok, on va prendre ça. Oh la vache! C'est stressant, hein? Ok, il y a quelqu'un en haut qui va pas bouger, à mon avis. Je pense qu'il reste une seule personne. Faudrait que je puisse ramasser les munitions des autres. Ok, on repasse par là. C'est pour la bonne cause. Il est là, hein, mais il est malin, il va pas se montrer. Hein. Oh oui, bien ça. On va t'avoir. Hein. C'est bien, il vient nous chercher. Attends, mais ils sont deux? Mais comment ça se fait? Ils se multiplient ou quoi? C'est des lapins. Ça bouge là, non? Attendez, je comprends pas ce qu'il fait. Il escalade? Bon, je vais aller chercher. Ça va durer des plombes sinon. C'est quoi ce bruit? Elle est là, hein. Ok. Plus que un. Mais alors lui... Je suis paumé dans leur dédale là. Je t'ai tué. Ah, t'es là. Bah écoute. Viens mon pote. Boum.
Il y a plus personne là. C'est bon, il est relevé. Ou Séraphine, peu importe. Ouais, on chie. J'ai jamais entendu un Séraphine parler comme ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Oh, ils ont rien. Oh, l'arnaque. Oh la vache, je suis dégoûté. Bon, bah c'est sur cette belle infiltration qu'on va s'arrêter ici pour ce 30e épisode. J'espère que ça vous a régalé. Hein. On s'est pas trop fait repérer. Peut-être une ou deux fois à la limite, voilà, c'est pas grand chose. Si vous avez kiffé cet épisode, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je pense qu'on n'est pas trop loin de la fin, ça ne serait tardé. En attendant, moi je vous remercie et je vous dis à très très vite. Ciao !